vraiment cette fille est débile quoi. Comment elle a pu me faire ça? Avec tous les sacrifices que je lui fais pour elle. Rose, Rose, tu vas où à cette heure-ci? Ça ne te regarde pas. Comment ça? Mais ça ne va pas dans ta tête? Dis ce que tu veux. En tout cas, je vais sortir. Parce que là, j'ai un rendez-vous et je ne peux pas le rater. Mais tu ne prends même pas le petit déjeuner. Tu n'as qu'à le faire toi-même. Ok. C'est ça ta réponse maintenant. T'as vraiment changé. Bon, là, je suis pressée. Je m'en... Mais attends, attends. Ne t'en vas pas allez, comme ça. Bye. Allô, John, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça ne va pas, mon frère. Ces temps-ci, les choses ne vont pas bien avec ma femme. On se dispute tout le temps. Mais pourquoi te disputes? J'ai le pressentiment qu'elle a un moment. Un moment, s'il te plaît. J'ai un double appel. De toute façon, je passerai chez toi. Ok, je t'entends. Se m'en veut la donne brille. Allons mon frère. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure au téléphone, je vis des moments difficiles avec mon épouse. Ah bon? Mais je ne comprends pas votre situation. Explique-moi. Je ne me reconnais plus. Je suis totalement perdu. Imagine-toi la femme que je me sacrifie pour elle. Vient de briser ma vie. Je pouvais tout accepter d'elle. Sauf une chose. Avoir un amant, c'est vraiment désastreux et décevant de sa part. Non frère, t'as pas besoin de faire tout ton discours pour m'expliquer. C'était ta femme que j'avais au téléphone lorsque je t'avais demandé de patienter. Ah bon? Du fait, j'ai un double appel. Mais elle m'a dit des choses qui pourraient plus te déranger à mon avis. Comme quoi? Non. J'ai peur de te dire. Peur de quoi? Vraiment? Ne me dis pas que tu as encore pété les plombs. Non, du tout. Donc relaxe-toi et parle-moi en fait. Elle m'a fait savoir qu'elle était amoureuse de moi. Mais je ne pouvais pas te le cacher. Car c'était réciproque en moi. Mais j'ai pu me maîtriser. Car durant nos rencontres, je ne l'ai jamais touché ni embrassé. Désolé mon frère. C'est moi qui vais me relaxer. Et c'est le moment de te dire que j'ai eu aussi à avoir une liaison amoureuse avec ta femme. Nous avons passé de bons moments. Quoi? T'es un traître? Idiot, fils de pute! Arrête de m'insulter, c'est pas de ma faute. C'était un jour de verre après votre dispute qu'elle est venue chez moi pour que je la console. Ses larmes amoureuses qui coulaient en elle me touchaient vraiment, vraiment même. On s'est embrassés et nous avons fini par passer à l'acte. Tu te fous de ma gueule? Tu m'as déçu. Moi qui te considère comme un frère de sang. Tu t'es permis d'avoir une liaison amoureuse avec ma femme. Non, ce n'était pas de mon intention. Je n'aurais jamais cru que cela puisse se passer, malgré tout. Imbécile! Tu l'as fait exprès? Pas du tout, mon frère. J'ai agi sans conscience. Game over. Cette fraternité est morte dans ma tête. Et puis, tu vas tout m'éclaircir avant qu'on aille plus loin. Sorry, ulma sorry.